Nous allons poursuivre l'assemblage des différents sous-ensembles. Nous venons de terminer l'assemblage du sous-ensemble 1, corps. On va s'intéresser maintenant au sous-ensemble 2, réduction concentrique. Donc cette réduction concentrique va être constituée de la réduction, de la réduction concentrique et de deux brides. Donc on va prendre la pièce de 2 et pièce de 3 et pièce de 1. C'est parti. Donc on va créer un sous-ensemble. Alors là, je l'ai appelé clapet. J'aurais pas dû l'appeler clapet. J'aurais dû éventuellement l'appeler sous-ensemble 1. Donc on peut le renommer SE1. Voilà. Et on valide. On va créer maintenant un nouveau assemblage que l'on peut renommer tout de suite SE2. Donc dans ce SE2, on va aller chercher la réduction cylindrique, concentrique, pardon, réduction concentrique, et on va aller chercher donc une bride cylindrique. Et on va aller chercher la bride réduction, je crois que c'est celle-là. Il s'agit de la 2-3. Bride réduction. Voilà. On valide. Ensuite, on va regarder comment cet assemblage est fait. Alors ici, on voit, dans l'assemblage, que la soudure... Voilà. La soudure de la réduction est en partie haute et les trous sont horizontaux ici. Donc c'est parti. On va on va fixer déjà un élément. Donc prenons par exemple la réduction, faire un clic droit et on va la fixer. Ensuite, on va placer la réduction, enfin la bride ici, à l'extrémité. Alors, ici je n'ai pas de soudure évidemment, puisque on l'a vu, dans OnShape, dans l'immédiat, on ne peut pas faire de développer ce genre de pièces. Alors, on va réaliser une liaison fixe entre la face centrale du cercle ici et celle-ci. Alors là, je dois être du mauvais côté. Je dois être dans la matière. Donc on va simplement faire une inversion ici. Voilà. On va considérer que voilà, les trous sont horizontaux. Là, ça a l'air d'être bon. Je valide. Maintenant, on va faire la même chose pour l'autre bride. Donc là, toujours dans la fonction fixe. Je prends cette arête, et donc le centre, et je vais prendre celle-ci. Ce que je veux maintenant, c'est que les trous soient en partie verticale, ce qui est le cas ici. Donc là, on est bien. On va considérer le montage. Alors, attention, j'ai un petit souci. Ah non, c'est parce que je ne suis pas normal à ma face. Si je me mets en vue de gauche, hop, je suis bien concentrique. Ok, donc là, pour moi, la réduction concentrique est terminée.